Et bonjour à tous, c'est Nico Ch'ti avec Oulang, Ascent Jérumain sur Guild Wars 2 et bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 3, le sacrifice. Alors pour être franc, ce que vous voyez ici n'est pas du tout la fin du premier, de la première partie de ce chapitre. Tout simplement parce que j'ai effacé la deuxième partie sans avoir pris le temps de l'uploader. Je pensais que j'avais uploadé sur YouTube. Donc je refais vite fait cette deuxième partie. Donc on va reprendre un peu avant. Comme disait Dames Casimir, elle s'interroge sur ces cristaux. Qui, vous le verrez, ne sont pas corrompus par Kralkatorik. Hein, donc c'est pour ça qu'ils ont cette couleur jaune dorée. Donc je suis désolé aussi, normalement je fais l'histoire en mode découverte, sauf cette partie là jusqu'au chapitre 4. Que je vais tourner dans la foulée. Que je ne connaîtrai pas ce qui se passe dans le chapitre 4. Mais là bah, je sais ce qui se dit, mais rien n'empêche que je vais reprendre ce il qui a été cristal de mémoire examiné. Que nous avons vu dans l'antre de Bryl, quand le maître de la paix a reçu l'œuf d'Oren. Un cristal de mémoire? Mais comment? Le dieu de la guerre me pourchasse. Pour la puissance que je porte en moi, et pour l'arme dans l'ombre du prophète. Tu dois apprendre le savoir nécessaire pour les débloquer, ma sœur, avant qu'ils ne le fassent. C'est la voix de Vlast. Il a laissé ce message pour Oren. Ou pour quelqu'un qu'il pensait digne de confiance pour lui transmettre. L'ombre du prophète. Ça vous dit quelque chose? C'est sûrement l'antre de Bryl. J'y suis déjà allé. Je suis pas très loin d'ici. Ritlok, vous avez inquiété Casimir. Mais si Balthazar entend parler de l'antre de Bryl, on risque de rencontrer de la résistance au moment d'entrée. Si nous parvenons à entrer, c'est bien le problème. Alors, on va discuter avec l'équipe. Bien. Vous trois, partez en reconnaissance à l'antre de Bryl pour observer les forgés et Balthazar. Moi, je vais trouver les autres cristaux. Ils seront peut-être utiles. Je dois aussi trouver un endroit où contacter Taimi et prendre des nouvelles d'Oren. Allez-vous dire à Oren pour Vlast? Oh, crois-moi, elle est déjà au courant. Je peux sentir ses réactions. Elle doit être connectée à Vlast, comme elle l'est à moi. Vraiment? Quoi qu'il en soit, commandant, ce terrain est tellement escarpé qu'il serait intéressant de savoir comment les autochtones s'y prennent pour se déplacer ici. Donc, c'est ici qu'on s'était arrêté. Donc on a un petit résumé de ce qui s'est passé dans la première partie. Donc je ne reçois pas les récompenses, hein, puisque j'ai déjà... reçu les récompenses de cette partie-là. Et donc là, on va justement explorer tout ça. Bon, on va sortir. Mais bon, comme vous voyez en bas de l'écran, j'ai exploré toute la map hein, depuis le temps. Et qu'on va aller chercher les autres cristaux de Vlast. Pour en connaître un peu plus son histoire. Et en même temps, vous aurez aussi, parce que j'avais réussi à faire le succès de récupérer les 12 cristaux, les 12 éclats de cristal de Vlast. Donc pas besoin d'aller chercher le lapin et tout ça, enfin le crapsol, parce qu'on l'a déjà. Et voyons ce qu'il a à nous dire. Détenir cette arme, c'est détenir entre ses mains le destin de la Tyrie. C'est avoir le pouvoir de changer la face du monde. Elle est assez puissante pour tuer les dragons ancestraux. Ne sous-estimez pas sa puissance. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Donc là, j'avais dit que il parle pour moi de sa sœur Oren, hein, d'Oren. Et donc, il ne faut pas sous-estimer Oren parce qu'elle est assez puissante, elle est même très puissante d'après ses dires. Ici, oui, il y a tout ça à faire. On va faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de là. On va faire ça. Comme ça. Et puis... on va faire ça. 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 On va se TP là. On va faire ça et ça en dernier. Donc, je vais me TP ici.
comme ça on a un chemin moins, j'aurais le chemin moins tortueux que j'avais fait à la première. Donc pour moi, l'ombre du prophète, le prophète c'est Oren et l'ombre c'est moi. Voilà, tout simplement. C'est ma théorie. Donc nous on est là pour aider le prophète. Hop. Ah, ça c'est voilà, j'aime bien quand ça fait ça parce que ça veut dire que ça met du temps à charger. Alors je sais que j'avais eu du mal à trouver celui-là. Il était bien planqué quelque part. J'espère que je vais le retrouver vite. Au pire, je vous fais profiter de la musique des Shoya. La musique des Shoya ici, qui sont amicaux. Et qui a un cœur de nos renommées assez... assez contraignant à faire, parce qu'il est assez long à faire. Voilà, est-ce qu'il est déjà sur le... Je sais qu'il est sur le rebord d'une falaise. Et que je sais plus où. Bon, dès que je l'ai, je vous reprends tout de suite, hein, on va éviter de perdre du temps. Allez, juste sur cette rambarde, voilà, je peux l'atteindre, et on va discuter avec l'éclat. Elle a été créée pour permettre aux mortels de poursuivre l'œuvre des dragons, de notre lignée. Pour combattre l'énergie cataclysmique et empêcher la destruction de toute vie. Il marche dans les traces de sa mère. Donc, d'après ce qui est dit, donc, Vlast n'a pas été corrompu par Kalkratorik, comme bah, Bryl l'a été, mais... Enfin, il me semble qu'elle l'a été, mais elle a réussi... Ou alors, non, elle n'a pas été, mais, comment dire, elle a quand même travaillé pour Kalkratorik sans être corrompu par ce dernier, et qu'elle a réussi à transmettre, on va dire, à faire connaître à Vlast le côté malfaisant de Kalkratorik. Et Vlast est, comment dire, bah, est un gentil dragon, et... Son intention est bien mauvaise. Nous ne sommes pas prêts. Nous ? Il parle d'Oren. Ah là, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Ici, il disait qu'il parle de nous, qu'apparemment on n'est pas assez... on serait trop, comment dire, malveillant pour pouvoir profiter de... de la puissance d'Oren. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi il avait dit ça. Et donc, pour revenir à ce que je disais avant, donc Vlast n'est pas corrompu par Kalkratorik, ni Bryl, comme Bryl là, il ne l'a pas été. Est-ce qu'on peut passer par là? Là, faut que j'en fasse le tour. On va vite se TP, on va profiter qu'on a... ici, on va passer par là. Et Vlast donc pense qu'on n'est pas digne de pouvoir entre guillemets profiter de la puissance d'Oren. Mais vous voyez depuis le début de Lord of Thorn, bah, on l'élève à notre image. Donc c'est peut-être pour ça que ça lui déplaît, le fait qu'on l'élève à notre image. Bon, je vais faire le chemin, puis je vous prends au prochain éclat. Et voilà, on arrive au prochain éclat. Ma sœur, notre fardeau est lourd, parfois trop lourd à porter. Mais notre mère y avait mis à foi, alors nous sommes obligés de l'accepter. Si tu te découvres. Le reste doit être corrompu. Donc on ne ressaura pas la suite du message. Donc Vlast a réussi à accepter ce fardeau qui est là-bas. Donc le fardeau de je pense de combattre justement les dragons ancestraux. Et que... comment dire? Ouais, juste de combattre les dragons ancestraux. Si tu trouves ces cristaux, c'est que j'ai échoué avant même de te rencontrer. Et pour cela, je te présente mes excuses.
J'aurais aimé avoir de la compagnie dans le ciel du désert. Elle ne connaîtra jamais son frère. Bah, y a rien à ajouter, hein. Franchement, Auray ne connaîtra jamais Vlast. Nous non plus d'ailleurs, hein. C'est ce que je regrette. J'aurais bien aimé le voir un peu plus, même beaucoup plus, qu'une simple... on va dire, c'est presque un cameo, quoi. Mais bon, après, c'est l'histoire qui veut ça, on va pas... La bonne est là. Hop. Nya. Hop. J'ai entendu dire que tu avais choisi un champion. Il aura besoin de ceci lorsque le monde basculera. La mort du dragon de la jungle a accéléré la venue de notre créateur. Si j'avais su. Ouais, si on avait su, on n'aurait pas tué Mordre Mode. Apparemment, le fait d'avoir tué Mordre Mode a accéléré l'éveil. Le réveil de Kral Katorik, parce que Kral Katorik est éveillé. Parce qu'il corrompt, mais il n'est pas réveillé, il est éveillé, c'est différent. Donc là, pour ceux qui disent Oulang, si j'avais su, bah, on n'aurait pas. Mais bon, après, c'est un cercle sans fin. Hein. Dire si on tue un méchant, il y a toujours un autre pour prendre sa place. Hein. Le dieu du feu est toujours à Métros. J'ai peur qu'il ne mette la main sur l'arme. S'il y parvient, les conséquences seront imprévisibles. Et c'est rien de le dire. Raison de plus pour la trouver en premier. Ouais, donc on va. Donc il parle d'une arme. On ne sait pas ce que c'est. Enfin. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, même on je parle pour nous tous. Hein. Le prochain est plus au sud. Ouais, on va aller directement au sud. Ferme-toi la carte. Merci. Non, j'ai besoin de toi, petit raptor. Par là avec le lapin, enfin le frappe sol, faut j'arrête de dire lapin. Donc le frappe sol, hop. Bon, l'avantage c'est que j'ai tout débloqué au niveau des montures, enfin presque. L'oricale riche, et on continue l'histoire. Là, je suis vraiment. La résistance d'un frappe sol. Sauter de haut, il ne mourra pas. Enfin, presque. Vous êtes témoin, vous avez vu la hauteur. J'aurais voulu la détruire. Mais ma mère me l'a interdit. Or, elle n'avait pas prévu cette crise. La voix de la vertu m'échappe. Donc, je pense qu'il parle de l'arme, détruire de l'arme, et que. Comment dire, apparemment, ce qui se passe actuellement, Bril était assez clairvoyante, parce qu'elle avait certaines visions, il me semble. Et ce qui se passe actuellement, elle veut pas fuir. Hop. Oh. Ah. Faut un petit saut de cabri quand même, hop. Je me sens prisonnier de mon rôle dans cet héritage. Je rêve de liberté, mais je suis incapable de tourner le dos à toutes ces responsabilités. Cela provoquerait la disparition de toutes les races mortelles, et peut-être la mienne aussi. Mais encore une fois, la mort est une forme de liberté, n'est-ce pas ? Ah, j'aime bien cette philosophie qu'il a Vlast. Il a envie de faire plein de choses, mais hélas, il ne peut pas. À cause de son rôle qu'il a, à cause de l'héritage de Bril.
qu'elle a laissé. Faut pas oublier dans le premier Guild Wars. Dans le premier Guild Wars, c'est elle qui a énoncé la venue la prophétie des chercheurs de la flamme. Donc c'était les héros qu'on jouait sur le jeu Guild Wars. Et elle avait prévu plusieurs choses qui se sont plus ou moins réalisées puisqu'on a empêché certaines choses. Ah, il est en bas. Hop. Le pouvoir de Kral Kadorik continue à grandir. Et la mort de ma mère n'est toujours pas vengée. Lorsque le moment viendra de... Et le message est corrompu. Donc, ce qu'il nous dit, ce qu'il a dit, donc Brill, si vous avez lu les bouquins, et puis je l'ai dit assez suffisamment depuis le début, on lit la mort de Brill pendant justement que les héritiers du destin ont affronté une première fois Kral Kadorik, sans succès, et je me trompe de touche. Voilà. Et donc pour lui, c'est sûr que c'est Kral Kadorik qui a tué Brill. Et le cristal est en haut. Voilà, comment y accéder? Hop, non. Alors, on arrive avec la cristal. Je suis sûr qu'il y avait un moyen plus simple. Hop. Et... Dis-moi, ma sœur, je me pose la question. Est-ce que tes gardiens exaltés te façonnent comme ils l'ont fait avec moi? Leurs paroles résonnent-elles au fond de ton cœur? Sens-tu le poids de ces mots augmenter au fur et à mesure que le temps passe? Un petit conseil. Si tu perds patience avec tes gardiens, siffle un bon coup ou remue la queue et regarde-les s'enfuir en courant. Ils ne doivent jamais, ni toi non plus, oublier qui tu es. Alors donc Vlast a été façonné par les exaltés, mais par rapport à nous, nous c'est pas les exaltés qui façonnent. Oren, c'est moi en fait. Pour moi c'est ça. Donc on va contacter Taimi maintenant. Le commandant à Taimi. Réponds Taimi. Quelque chose se prépare, n'est-ce pas? Case dit que l'atmosphère dans la salle de l'œuf est inquiétante. Qu'est-ce que tu veux dire? Oren n'est plus elle-même. Elle a commencé à gémir comme si elle avait mal, mais ne laisse personne l'approcher. Elle a même mordu ses gardiens exaltés. De colère! Toute la ville en parle. Qu'est-ce qui se passe? Balthazar est beaucoup plus fort qu'il ne l'était. Il nous a balayés comme des insectes. Et il... Il a tué Vlast. C'était moi qu'il visait. Mais Vlast s'est interposé. Oh non! Ça explique l'agitation d'Oren. Elle pleure la mort de son grand frère. La pauvre petite. Je vais contacter Case et la Luminante. Ensemble, nous pourrons peut-être calmer Oren. Je crois qu'on a un plan. Je te recontacte bientôt. Au revoir! Donc, on a mis au courant Tony. Donc apparemment, Oren est bien agité. Moi, c'est Justin. On va chercher le dernier. Alors, est-ce qu'il y a à peu près... On va faire le tour quand même. Hop. On va chercher le dernier éclat de cristal. Ado de frappe seul. Et après, ce sera la fin de cette deuxième partie. Hop, je suis sûr que je passe par les chemins les plus sombres, les plus sinueux. Hop, et le dernier éclat de cristal. Un petit coup. Hop là. Votre champion, il pique ma curiosité. Peut-être parce que le mien n'est jamais apparu. Les exaltés m'ont donné un but.
Mais je n'ai pas de véritable lien qui m'y raccroche. J'espère que tu auras plus de chance, ma sœur. Que tu as le sentiment d'avoir trouvé un but à ta vie. La plupart du temps, tout ce que je ressens, c'est de la colère. Donc, Vlast n'a pas eu de champion. Ce qu'ils nous considèrent comme nous, un champion. Je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est... Si les rejetons de Brill... Oren sera plus puissante que Vlast, parce que justement, Oren a un champion. C'est ça. Alors, on va passer la porte. Hop. Et on en a fini avec la deuxième partie. Je suis encore désolé que cette partie-là n'est pas en mode découverte. Du fait que j'ai fait mon petit boulet. Et ce dévoreur de manière va fuir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. On est juste à côté des souvenirs cristallins.